Bonjour, on utilise l'huile silicone dans les amortisseurs et les différentiels. Il faut savoir qu'il existe deux unités pour la viscosité, le CST et le WT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi cela correspond. La viscosité des huiles silicone est mesurée en CST. C'est l'unité de mesure universelle. Par exemple, l'eau à 20 degrés a une viscosité de 1 CST. Des marques principalement américaines comme TLR ou Team Associated indiquent la viscosité en WT. Que ce soit en CST ou en WT, plus le chiffre est élevé, plus l'huile est épaisse. Comme on le voit sur le tableau, les huiles des marques en CST sont assez proches en viscosité. Mais cela n'est pas le cas pour les huiles en WT, où il peut y avoir des différences. Donc, il n'y a pas de règle de conversion de la viscosité en WT vers CST. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé d'utiliser la même marque pour toutes les huiles. Pour les amortisseurs, on utilise en général des huiles entre 200 et 700 CST, ou leur équivalent en WT. Pour le différentiel, on utilise des huiles de viscosité entre 2000 et 10 000. Certains pilotes utilisent des huiles plus épaisses sur des pistes à fort grip de type moquette avec de la 20 000, 30 000. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas SWT pour les huiles de différentiel. La particularité des huiles sismiques Optima, c'est que les deux valeurs sont indiquées. Par contre, je ne sais pas si cela correspond à du WT TLR ou du WT Associated. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.